Je vous demande d'applaudir à tout rompre William Saint-Val, qu'on applaudit très très fort. Merci beaucoup. Ça va, William? Bonjour, c'est qui? Bonjour. Merci de venir au JJDA. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Tu es très très grand. Tu fais 2m12, non? Non, 1,90. 1,90. Juste 1,90. Bon, d'accord. J'ai mis un peu de talons, mais bon, c'est comme ça. J'aime bien. C'est comme ça. Bon. Alors là, tu sors donc ton premier album. Tout à fait. Hein? Qui s'appelle Chaviré. Chaviré. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un voyage à travers toutes ces chansons où on a justement ce côté chaviré qui nous amène d'une chanson à l'autre. C'est un voyage. D'accord, et on parcourt comme ça. Chaviré. Voilà. Donc on va quand même, avant de parler de l'album, on va parler de ce qui s'est passé avant l'album. Oui. Parce que tu n'arrêtes pas comme ça avec un album. Bah non. Il y a eu plein de trucs. Tu es donc né à Strasbourg. Strasbourg. Tu es donc alsacien et ça se voit. Et ça se voit très bien, surtout au niveau des petites couettes. Hein, oui, parce que ça ressemble à des choucroutes. Hein, on a l'impression que tu as des petites choucroutes comme ça. Des petites saucisses qu'on peut, souvent voir dans les petites. Donc tu es né en Alsace? Oui. Tu es venu rapidement à Paris ou? Alors je faisais des allers-retours à Paris. D'accord. Pendant un long moment et à un moment j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une comédie musicale américaine. Voilà, alors. Et je suis arrivé à Paris. Alors avant tu aimais le football, enfin, c'est ce que j'ai appris. Voilà. Te destinais à être footballeur. Ouais, un pronostic pour ce soir? Alors, pour le match de ce soir, c'est un peu compliqué, mais je vous laisse vous-même faire des pronostics. Parce que je ne veux pas me mouiller, c'est le premier match. Ok, d'accord. Je pense qu'ils vont y arriver doucement. Bon, alors tu étais donc footballeur, c'est ça, si alors, je peux me permettre? Alors footballeur, j'avais envie d'être footballeur, parce que j'aimais bien le foot. Moi, je suis de la génération Platini. Ok, d'accord. Hein. Mais finalement, t'as rencontré un prof de danse, c'est ça, ou un prof de gym? Voilà, un prof de gym qui aimait la danse. Et qui m'a dit... Voilà, essaye de faire la danse, vas-y. Voilà, essaye de faire ça. Et moi, j'adorais Fame, Michael Jackson. Donc tu t'es mis à la danse. Chorus Line. Ouais, tu t'es mis au chant. Au chant, à la comédie. Comédie musicale. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme comédie musicale? Alors, on a pu te voir où? Alors, j'ai fait une comédie musicale sur Josephine Baker, qui s'appelle Jazzy Josie B. D'accord. Donc, ça a été avec Rhyme et Rogers, qui était le chorégraphe de Michael Jackson et un ancien danseur de West Side Story. Okay. Après, j'ai fait Roméo et Juliette en Corée. Ah oui, t'as fait donc, plein de choses alors. Le spectacle de Presse Gurvic et de Reda. Absolument. Ensuite, j'ai travaillé avec Jérôme Savary au théâtre de Chaillot sur une comédie musicale sur Duke Ellington. Plein de choses, William. On essaye de faire. J'ai appris aussi que tu as été choriste de Michel Jonas, entre autres. Alors, ça, c'est une belle aventure. Oui. C'est là où tout a commencé, c'est là où... J'adore Michel, moi aussi. La rencontre... Ah oui, c'est là, c'est grâce à lui que... C'est grâce à lui que cet album est arrivé. Alors, comment ça s'est passé? Donc, c'est arrivé que je fais 3 semaines d'Olympia avec Michel. Ouais, j'avais fait d'abord le... Michel Jonas, j'avais fait d'abord l'album Paul West. Ouais. Et donc, j'ai fait 3 semaines d'Olympia avec Michel. En choriste. En choriste, chanteur et danseur. Et donc, dans la salle, il y avait Léo Messire. Oui. Et donc, producteur qui était qui était manager de Balavoine, qui me remarque, qui me dit voilà, William, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis je suis en train de. Ouais. À part chanter, je fais aussi un peu de choucroute. Non. Non, mais. Ouais. Je chante. Oui, on remarque, c'est possible, faire de la choucroute. C'est possible, bien sûr. En plus, l'Alsace et tout ça. Oui. Et donc, c'est pour l'accent alsacien, d'ailleurs, vas-y. Yo, bien sûr. Bien sûr, vas-y alors. Donc, j'arrive, donc j'étais au spectacle, yo. Et donc, je lui demande, bien sûr, il me dit mais qu'est-ce que tu fais donc? Donc, je lui dis tu sais, je fais de la danse, je fais du chant, et si tu veux bien, je peux travailler aussi un peu de comédie. Voilà. Donc tu as travaillé avec Michel Jonas, quoi. Voilà. Et donc après, Léo Messire m'a présenté son fils, Philippe Messire, et on a fait l'album. Avec Chaviré, avec Alain Goldstein qui fait les textes, qui est un ami de Michel Jonas. Oui, alors qui fait les textes aussi de Michel Jonas. Johnny Hallyday, Cabana, Françoise Hardy. Oui, voilà, c'est quand même pas. Voilà. Et Delpech. Ce n'est pas le premier venu, Alain Goldstein. C'est Alain. C'est le deuxième venu, quoi. Hein, voilà. T'as fait aussi la première partie de Lara Fabian. C'était sympa, ça. C'était super, des Zéniths, c'était. Voilà. Là, tu m'as amené un petit extrait de l'album. Qu'est-ce que tu nous proposes pour le JJDA, William? C'est un petit teaser, vous allez voir. C'est un petit peu avec des petits oignons, avec un peu de poivre, un peu de sel, c'est une bonne cuisine. Quand on parle de cuisine, c'est une petite choucrounette. Une choucrounette, la choucrounette de William. Voilà, voilà. On la regarde. Voilà. Super. Camarga, tu es prêt pour la choucrounette de William? Oui, bien sûr. Depuis toujours, elle regardait ailleurs. Dans son cœur, elle rêvait. Depuis des années, attendait son heure. Au fond, elle savait que son amour vivait loin d'elle ailleurs. C'était sa destinée. Retrouverait un jour le chemin qui les a séparés. Sûr qu'il sera là au matin pour lui prendre la main, caresser ses cheveux. Sûr, ce sera le clair-obscur. Il apparaîtra, c'est sûr, pour allumer ses yeux. Tous les printemps qui fleurissent la vie en nous, les jeux d'amour toujours font nos histoires. Tous les printemps au fond de nous cultivent nos
sentiment. Depuis la nuit des temps, depuis toujours elle se voyait ailleurs. Dans ses bras elle dansait. Depuis des années voyait les couleurs de l'espoir. Elle jurait que son amour serait là à son heure. Croyait sa destinée. C'était écrit dans les lignes de sa main, fait pour se rencontrer. Tous les printemps qui fleurissent la vie en nous, les jeux d'amour toujours font nos histoires d'amour. Je... Magnifique. Merci, merci. Extrait de l'album. Tout, c'est tout, tous les printemps, c'est ça. Tous les printemps, tu vois, voilà. On est vraiment dans, c'est un plat de saison. C'est la fin du printemps. C'est une chanson de saison. Bah oui, parce que dans une semaine, c'est l'été. Exactement. Voilà. Voilà. Bah merci, William. Bah, maintenant, tu as un rendez-vous incontournable au JJDA avec l'intervieweur masqué du JJDA. J'ai peur. Non, non, il est très sympa. Je te laisse avec lui. D'accord. Et d'accord. Moi, je reviens après. D'accord. Alors, qu'est-ce à que tu fais? Là, tu fais, voilà. Tu chantes si tu veux ou tu, je sais pas. Tous les printemps. Non, vous avez déjà eu un petit peu de tous les printemps. On va vous remettre une couche. Il y a l'album qui est très sympa, donc n'hésitez surtout pas. Bon, et... je suis l'intervieweur masqué du JJDA. William, ça va? Bonjour, enchanté. J'aime beaucoup ce maquillage, ça me va à ravir. Je vais poser quelques questions, vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Je... D'accord. Blanche ou noire? Oh, j'ai... blanche ou noire, je suis métisse, j'ai du mal à blanche ou noire. Disons blanc-noir? Blanc-noir. Longue ou courte? Longue ou courte? Oui. Longue? Longue. Sèche ou humide? Humide. Humide ? D'accord, donc blanc, noir, longue et humide. C'est... Devant ou derrière ? Ah, je sais pas, un peu partout, un comme peu ça. Partout. D'accord. Voilà. Fromage ou dessert ? Fromage ou dessert ? Oui. Oh, dessert ? Dessert. Chatte ou chienne ? Ah, chienne ? Chienne. À plume ou à poil ? Poil. Poil. Donc une chienne à poil. Pourquoi pas ? Oui, à droite ou à gauche ? Pas de préférence. Blonde ou brune? Brune. Brune. Martine ou Ségolène? Martine ou Ségolène? Martine ou Ségolène, j'aime bien Ségolène. D'accord, ok. Beurre ou huile? Beurre ou huile? Huile d'olive. Huile d'olive. Moule ou frites? Moule ou frites. Frites. Oui. Malin ou câlin? Malin ou câlin? Oui. Malin ou câlin? Câlin. Par amour ou par pitié? Par amour. Debout ou couché? Debout. Pile ou face? Pile. Chèque en bois ou Shakespeare? Shakespeare. Shakespeare. Et enfin, être ou ne pas être? Telle est la question. Merci. Merci William, c'était l'intervieweur masqué du JJDA. Eh ben, merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Mmh. Hein? Il était bien là, non? Mais moi j'étais. Enfin bon. Voilà, ça s'est bien passé avec l'intervieweur masqué du JJDA. Il est sympa. Je posais la question si j'étais. Sympa? Oui. Ouais. Viens avec moi. On a un rituel dans cette émission. Elle s'appelle Sandrine. Bah viens. Alors Sandrine, William, Sandrine. Bonjour Sandrine. Donc j'appelle Nicolas Sarkozy à la fin de chaque émission. Je ne l'ai jamais eu. Peut-être que tu as porté chance, je ne sais pas. Ben j'appelle le Palais de l'Élysée. Ben, d'accord, on pourra parler de quelque chose avec lui. J'ai une petite question à lui poser. Qu'est-ce que tu veux lui poser comme question? Son pronostic pour le match de ce soir. Ah, pour François-Huguet, à 20h30. Ouais. Dans 2 heures à peine. François-Huguet. Allô? Président de la République, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît? Toujours même réponse, non et musique d'attente. Ah, musique d'attente, alors non. Voilà, la même réponse. Ça fait 319 fois que j'ai la même réponse. Et voici la musique d'attente, une magnifique valse, William. J'adore, on aurait pu la danser ensemble. Oui, mais enfin bon, point trop s'en faut. Exactement, on n'a pas trop de place non plus. Ouais. Donc, on peut se mettre là, si tu veux. Je pense qu'on va en rester là. Gardons, William, gardons nos distances. Que penses-tu? C'est vrai, c'est vrai. C'est la première rencontre, on ne va pas non plus brûler les étapes. La seconde fois, peut-être qu'on dansera. Voilà. Bon, je raccroche, je n'aurai pas Nicolas Sarkozy. Eh bien, le JJDA, c'est terminé pour aujourd'hui, William. Eh ben, merci d'être venu. Nous rappelons ton actualité. Ben, c'est ton album, Chaviré, voilà. William, Saint-Val, voilà. En vente libre. Enfin, j'espère. Hein. Oui, en vente très, très libre. En vente vraiment très, très libre. Alors, il y a des dates aussi. De concert, bah, vas-y, c'est le moment, vas-y. Voilà, alors, il y a quelques dates un peu partout, j'ai pas encore les villes. Tu n'as pas les villes. Je n'ai pas les villes encore exactes, mais il y aura quelques dates. Sur Paris, sur Paris.
il y aura le sentier, le sentier des Halles où ça va, il va se repasser quelque chose. À la rentrée. Donc à la rentrée. Ok. Voilà. Donc tu repasses. Tu repasses nous voir. Hein, ok. Bon bah avec en attendant acheter l'album. C'est sympa. Hein. Oui oui. Non mais ne pas, vous savez très bien, pas télécharger comme ça. Non, c'est pas gentil. Télécharger légalement, évidemment. Salut William. À bientôt. Salut vous. Bon week-end.